Hello, Sibyl, comment tu vas? Sibyl, eh ben moi, ah, je vais bien. J'ai un rouge à lèvres, make-up révolution, Rachel de la série Friends. Hello, Sibyl. Oh, tais-toi. Allez, go. Je suis allée à Primark et je vous ai filmé dans les magasins. Vous allez voir, ça va prendre du temps, hein, mais je vous ai filmé dans les magasins, mais il faut faire le montage. Je suis à Primark. Non, mais franchement, je vous le dis, hein, c'est le marathon shopping. Hein. Alors, j'ai été déjà à Ikea. J'aime bien, je dis que c'était à Primark et j'étais à Ikea. Après. Donc, j'ai été à Ikea, j'ai trouvé des petits gâteaux comme ceci. Ma petite gourmande, ma meilleure amie, l'a ouvert. Ben, je vais aller lui donner parce que Yannick, le temps qu'il arrive, comme c'est ouvert, ça ne va pas se garder longtemps. Donc, je vais la faire venir à la maison. Voilà. Et puis, ben, on va manger des petits gâteaux. Je vais voir avec elle si c'est possible. Bon, bref, ça se garde quand même. Donc, 2,30 €, 2,50 €. C'est des gâteaux à la cannelle. Comment vous dire que c'est une dinguerie? Il ne faut pas qu'ils sèchent. Ou je vais les mettre dans un petit sachet en plastique. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez. Ah, oh, ça sent la cannelle, mais un truc de fou. Ça s'appelle Griffloir. Ensuite, j'ai pris 75 centimes à Ikea. J'ai trouvé, pareil, je vous ai filmé Ikea, vous allez mourir de rire. J'ai filmé Ikea, Primark et tout, vous allez voir. Je fais que des conneries. Je fais que des conneries dans le magasin. J'ai même chanté Oh mon bateau! Oh. Bon, Sibyl. Elle nous saoule, hein. Alors, mais si je vous saoule, regardez pas, hein, en fait. Donc, 75 centimes, des petits gâteaux à la framboise. Franchement, c'est pas cher, hein. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça. Et j'ai trouvé ceci. 12,90 €. Alors, c'est pour mettre mes papiers. Il n'y avait pas noir. Hein. C'est pour mettre mes papiers, pour mettre mon courrier. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre du coton, vous pouvez mettre du démaquillant, vous pouvez mettre des shampoings. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je m'en suis servie. Je l'ai acheté uniquement pour le papier et le courrier. Voilà. Et là, je vais mettre bah, des gommes, des stylos, des trucs comme ça. Mais là, en l'occurrence, j'ai mis mon disque dur parce que j'avais besoin d'un disque dur, parce que j'avais besoin de garder beaucoup de choses. Donc, voilà, un gros disque dur, voilà, et puis des chargeurs. Et ça, c'est Ikea. Maintenant, nous allons arriver à Primark. Primark, j'en sais rien. Comme vous voulez. Primark, je ne sais pas. Alors. D'abord, j'ai filmé le magasin. Comme d'habitude, je vous montrerai. Franchement, j'étais pas déçue du tout. Mais moi, à la base, ce que je voulais, parce que vous savez bien que je vais à Emmaüs acheter des vêtements, donc j'achète pas de vêtements. J'achète plus de vêtements maintenant. Voilà, je vais à Emmaüs, je vais là de seconde main. Sauf que les pyjamas, non. Les pyjamas, je ne peux pas acheter en seconde main un pyjama, tout comme un drap. J'ai acheté l'autre fois un drap, mais une housse de couette, mais elle était toute neuve. Donc voilà, il y avait l'étiquette, elle était vraiment toute neuve. C'est parce qu'il y avait une petite tache minuscule qui se voit même pas. Bon, alors je vous montre. Eh, franchement, celui-là, c'est de la balle. Mais je ne sais pas s'il y a XL. Il y a double XL, mais je ne sais pas s'il y a XL. Regardez celui-là. 3 euros, hein. Franchement, 3 euros, c'est pas cher du tout, hein. Regardez. Happy Day. Oh, Happy Day. Ils sont grands, hein, là. Et là, vous avez Relax Max, non? Relax. Et franchement, combien? 3 euros. Et là, vous avez... C'est quoi là? California, non? Voilà les petits t-shirts que je vous montre. Là, vous avez des bodys, 5 euros. Vous avez toutes les couleurs, toutes les tailles. Là, vous avez des petits hauts à 4 euros. 9 euros celui-là. 2,50 €. Bah, c'est tout simple, hein, c'est basique. Hein. Je voudrais bien aller voir les pyjamas. Regardez les petits sacs.
Yo! Combien? 10 euros le petit sac. Mais bon, je vous dis, moi je vais à Emmaüs. Mais quand je vois des trucs à 3 euros, ben je prends quoi. Je vais pas me. Des petits débardeurs. Des maillots de bain. Il est très joli celui-là. Moi j'aime pas le comme ça, mais il est très joli. Une pièce là, waouh! Et combien? J'essaye de vous donner le prix. Alors moi j'aime les fleurs. Je suis quelqu'un qui aime les fleurs. 14 euros, ça va, hein? Voilà, les petites pochettes, combien? 5 euros la petite pochette, regardez. Là, vous avez des petits shorts. On va aller voir les pyjamas. Ça, j'adore. Ça me fait penser à une marque. Regardez, franchement, elle est trop jolie celle-là. Regardez ça. Oh, ben alors. Je sais pas si c'est une combinaison ou un short, regardez. 14 euros. Elle est jolie, hein? Moi, je vais regarder les pyjamas parce que c'est le seul pyjama. Les pyjamas, c'est des trucs que j'achète pas à Emmaüs. Voilà, c'est le seul. C'est quoi ça? Ça existe, ça? C'est bizarre. Des chapeaux. Ah, j'avais déjà acheté un chapeau ici. Regardez celui-là. C'est une dinguerie. Regardez celui-là. C'est une vraie dinguerie. Par contre, il n'y a pas le prix. Si. 8 euros. Non mais regardez ça. Il est trop beau. Alors là, vous avez des pyjamas, 11 euros. Celui-là, il est à 8 euros. Là, vous avez le petit pyjama avec le short à 6 euros. Vous avez plusieurs, hein. C'est du coton, hein. C'est coton. Et le t-shirt, il est blanc tout simplement? T'en veux un? Prends un pyjama pour toi, je te l'offre. Prends un pyjama, je te l'offre. Choisis. Allez, bah, prends le même que moi. Non, il y a des fleurs, elle n'aime pas les fleurs, c'est sûr. Elle. Parce qu'il y a celui-là aussi que j'aime bien. J'aime bien celui-là. Alors, nous avons pris ce pyjama. Oh là là, j'ai pris elle, vous allez voir, ça va être. Elle m'a dit de prendre elle, ça se trouve, ça va être trop grand. Ça se trouve, ça va être trop grand. Mais bon. Oh non, ça va. Alors, pyjama, vous savez que j'adore les fleurs, hein. 7 euros. Oh, maintenant, bah, je vais nager dedans un peu, mais non, même pas, ça va être. Je vais être confortable. 7 euros. Ce pyjama, ah, vous savez comment je fais moi, hein. Moi je ne supporte pas. Connerie. Il est con ce truc, il s'est pété sur mon doigt. Merde, ça fait mal, hein. Vous savez, c'est comme vous jetez l'élastique, vous genre dans l'école là, avec l'élastique là, et que vous receviez l'élastique vous-même sur le doigt. Et bien là, c'est pareil. Waouh, avec la puissance là, abrutie là, d'élastoc. Voilà. Alors, un petit truc tout simple. Voilà, tout simple. Vous pouvez acheter un truc pour, si vous voulez pour le. Attendez, est-ce que ça fait mal, hein, cette connerie? Mais regardez, ça m'a. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça m'a fait un creux. Je sais pas. Non, vous n'allez pas le voir. Là, on voit la marque de l'élastique, mais vous. Si, voilà, regardez le trait. Non, mais n'importe quoi, moi. Bref. Donc, bah ouais, hein, c'est moi. Hein. De toute façon, c'est moi. Ce sera tout le temps moi, les conneries de Sybille. Voilà. 7 euros. Et franchement, eh ben, il est génial. Voilà. Et du coup, j'en ai acheté un deuxième. Vous pensez bien que je ne vais pas faire la même chose. Alors, je ne vais pas m'amuser là. Il est trop bien. Bon, mais comme ça. Et le deuxième est comme ceci. Alors, non, non, non. Une fois, chat échaudé craint l'eau froide. D'accord? Alors, c'est un t-shirt blanc tout basique, hein. Et par contre, vous avez le pantalon qui est comme ceci. J'ai trouvé qu'il était magnifique. 7 euros. Vous voyez ça, quand je vous dis que moi j'aime les fleurs.
j'aime les coussins, j'aime tout ce qui est fleurs. Feuillage et fleurs. Par contre, chez moi, à part les coussins que j'ai achetés là, mais chez moi, il faut que ce soit que du feuillage. Il ne faut pas que ce soit, il y a de fleurs ou quoi que ce soit. Il y a juste une orchidée avec blanche. Mais il ne faut pas qu'il y ait de couleurs ou quoi que ce soit dans la déco. Il faut que ce soit tout. Et là, le fauteuil. Voilà, vite fait. OK. Ensuite, même dans ma cuisine, hein, vous connaissez. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, j'adore les feuillages. Et j'ai trouvé un peu. En fait, c'est un petit hall cette fois-ci. Hein, mais... Et j'ai trouvé un happy day. Dou, happy day. Il va pleuvoir, je le sens, il va y avoir de l'orage. Voilà. C'est un L. J'aurais pu prendre M. Mais bon, 3 euros, vous vous rendez compte, je me dis, pas aller pour ce prix-là, hein, pour 3 euros. Hein. Tu vas pas, tu t'en fous, Sybille. Tu le mettras avec un short. Tu le porteras avec un short. Et ça, c'était à la caisse. Et en fait, j'ai vu qu'il était pour moi 1,50 euros. Et ça, c'est très bien. J'en cherche depuis longtemps. Ils sont tout fins. 1,50, je dois en avoir 10. C'était très, très bien. Voilà mes petits achats du jour. Alors, pour ceux qui disent que je les saoule et tout, ne regardez pas. Mais vraiment, ne regardez pas hein, si je vous saoule. Hein, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends même pas pourquoi vous mettez un avis si vous ne m'aimez pas. Ne me regardez pas. Regardez. Râleuse, chiante, mais tellement craquante. Eh ben oui. It's me. Et, regardez. Hop. Mini. Et là, je vais vous montrer un truc. Ah ouais. Alors ça, c'est un plaid. Mais, vous voyez comment je l'ai rangé? Regardez. Je l'ai rangé comme ça. Pourquoi? Parce que j'en ai fait un coussin. Parce que, en fait, tous mes plaids, eh bien, je les range en coussin. Et ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Et c'est génial. Et là, c'est un plaid avec des manches en plus. Hein. C'est déjà plus compliqué. Hein. Mais ça fait un coussin. Voilà. Plutôt que de le mettre... voilà. Et puis, vous pouvez y aller. Ça tient. Ça tient. Voilà la petite astuce du jour que je vous montrerai dans une prochaine vidéo d'astuces. Sur ce, eh bien, j'ai combien de temps? Quand même, malgré tout, hein, pour si peu, avec mes conneries, mon doigt... Ben non, mon doigt, il a toujours pas... il a toujours cette petite trace, là. C'est pas grave. Ça va, ça me fait plus mal. Sur ce, dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Mettez-moi des commentaires. J'adore les commentaires, j'adore répondre. Je fais des lives, vous savez très bien. Des lives, c'est ma communauté. Nous sommes là pour partager, pour échanger, que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur. On est là. On est là pour se tenir et pour se souder et se tenir la main. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Si toutes les filles du monde vous laissent donner la main, eh ben voilà. C'était tous les gars du monde, et ben là, c'est toutes les filles. Eh bien, on se donne toute la main et on se soutient. Quoi qu'il arrive, on est là. On est là pour vous, on est là pour nous. On est ensemble. C'est ça. Mon but, ma chaîne, c'est ça. Être ensemble. Toi, moi, nous. Câlin collectif. Voilà. Et puis, venez nombreux ou pas sur notre live, sur nos lives. Quand je fais des lives, je ne préviens jamais. Alors, ça, c'est un truc... je sais, c'est pas bien. Je préviens pas, mais je me dis ceux qui m'aiment, eh ben, ils viennent, et même ceux qui m'aiment pas, ils viennent quand même malgré tout. Alors, mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est surtout partager de l'amour, de la joie. C'est ça que je vais faire pour vous, tout simplement. Ivy, je sais pas où elle est. Sinon, elle aurait répondu. Je vous embrasse très fort et je vous dis, mettez des petits pouces. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés. Merci à mes nouveaux abonnés. Je pense que c'est parce que je passe régulièrement sur une chaîne, je pense. Ça doit être TV5 Monde ou j'en sais rien. Je ne sais pas, mais il doit y avoir des replays. Parce que je le sens par rapport aux montées d'abonnés. Bon, allez, sur ce, je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo. Et portez-vous bien, protégez-vous. D'accord? Mettez des commentaires.